Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve sur Tropico 6 pour la suite de cette partie qui a failli se terminer à l'épisode précédent et qui va peut-être se terminer à la fin de la semaine, on ne sait pas encore. Alors j'ai rechargé une partie, j'ai rechargé la partie en fait qui était... voilà, on regarde là, on est à 14 mois des élections, donc on n'est pas revenu trop en arrière, on a quasiment fini de construire tout ce qui était à construire. Par contre il me manque, j'imagine que j'ai pas les... J'ai pas encore posé les stations de métro partout. Ouais, c'est ça en fait, c'est la différence, c'est qu'on n'a pas encore les stations de métro de tous les côtés. Alors on va faire ça, j'ai tenté de rafraîchir le truc pour tomber sur la mise à jour de la constitution, donc on va pouvoir changer la constitution, essayer de voir comment on va pouvoir faire ça. Donc, tous les citoyens adultes ont le droit de voter, l'on est de la capitation, scrutin ouvert, donc les employés des bâtiments gouvernementaux votent pour elle présidenter, quel que soit leur niveau d'approbation, tous ceux dont l'approbation est inférieure à 45% ont 10 de chances de devenir des rebelles. Les bulletins de vote servant à décider du présidenté ont tant d'importance pour assurer la souveraineté de Tropico qu'ils seront rendus publics. Les décomptes pourraient être vérifiés par tout citoyen, pas uniquement par les scrutateurs. Scrutin ouvert, oui. Tous les citoyens ont le droit de voter. Alors, je sais pas, vu qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont contents, là, on est seuls les citoyens aisés ou plus riches sont autorisés à voter. Ça, c'est peut-être un problème. On va tenter ça. On va tenter les droits de vote pour tous. Armée de métier, ça, c'est bon. Liberté de culte, ça c'est bon aussi. Enfance heureuse, oui, l'état par défaut, c'est bien. Augmente la satisfaction pour le travail de tous les citoyens. On va faire ça. Écologie, on est... là, on ne change rien. Aucune séparation des pouvoirs, séparation officielle. Un palais de justice est nécessaire pour produire des actions sur les citoyens. 20% des coûts d'interaction sont transférés sur le compte en Suisse. L'action de corruption n'est pas affectée. On peut essayer ça. Aimer ou partir de Tropico, oui. Réduit de 50% que les citoyens malheureux restent à Tropico. Donc ça, c'est bien. Contenu sponsorisé, donc ça, c'est bien. Droit, donc surveillance de sécurité, oui. Santé publique, alors système hybride. Sécurité sociale pour tous. L'efficacité est augmentée de... On va essayer ça. Mariage traditionnel, on est bon. Et libre-échange, on est bon aussi. Donc, si on part là-dessus, on met ça en place. On enlève la pause et on regarde ce que ça donne. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi ? Les religieux... Est-ce qu'on peut te soudoyer ? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi... qui est les électeurs ? Donc, électeur, soutien, opposé, pas de votant éligible. Le problème, c'est que ces machins-là... cette interface-là est dégueulasse, dans le sens où je ne sais même pas qui... Soutien, on n'en a pas beaucoup en soutien. Non décidés, ils sont beaucoup. Et les opposés, ils sont beaucoup aussi. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui est comment... Qui est mon opposé? Qui est mon opposant direct? Pourtant, ils sont tous contents. Satisfaction globale, c'est génial et tout. Mais non, ils n'ont pas envie d'être... conflit... Alors ça, c'est vraiment chiant, ce que j'aimerais bien savoir. Oui, je sais que le soutien est insuffisant, mais... Qu'en pensez-vous ? Si on rafraîchit, discussion convaincante, de la meilleure qualité, bien sûr. Acheter ça. Je ne voudrais encore. Pas vous brusquer, mais il me faudrait une réponse rapide concernant ces offres. Une de ces offres vous campagne d'image, campagne d'image. Elles sont deux campagnes d'image. On est remonté à 87%.
Ça va redescendre. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que ça, je pourrais, en fait, si je voulais... éliminer. Les juges sont en session. Et tous les tropiciens bénéficient du niveau de justice le plus élevé. Pour un prix modique, donnez nos contractuels. Ouais, je pourrais, si je voulais, éliminer mon opposant. Mais c'est pas le cas, et c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête vraiment. L'avion qui passe à travers les bâtiments. J'ai vu ça du coin de l'œil. Donc là, ça devrait suffire. Bon, la recherche était terminée, on le sait. Ça donne quoi les panneaux, les panneaux? Ils sont où? Panneau d'affichage motivant augmente l'approbation de chaque passant. On va mettre partout ça. Votre serviteur augmente légèrement l'approbation des conducteurs croisés. Drapeau de Tropico diminue les chances d'émigration. Recyclé. Je suis sûr que les bons citoyens de Tropico voteront pour vous, président. Non, permettre aux citoyens. Il me semble que j'avais dit qu'on truquait les trucs avant, mais. Ne jamais courir au feu. Ne jamais croire au feu. Rotation lourde. Les panneaux d'affichage changeront automatiquement de mode de fonctionnement. D'accord. Et ça nous coûte des sous, ça, j'imagine. Non, ça coûte que dalle. Bon, on va en mettre plein. Ah, on va commencer à les... Donc, c'est stratégique. Chaque carrefour. On en met à chaque carrefour. Là. On va en mettre là. On en met là aussi. On en met là. Ici, ici. Pareil. On en met partout, hein. Pas à chipoter. Là, c'est bon. Si ça aide, autant pas se priver. Là, j'en ai mis deux l'un à côté de l'autre, c'est pas grave. Ça fait quand même plaisir. Hop. Voilà, je crois qu'on est quand même pas trop mal. Je sais même pas combien ça coûte. Ça coûte combien? Ça coûte 500, 800 57 600. Ça coûte 500. Pour ce prix là on peut en mettre quelques-uns. Hop, on en met un là, on en met un là, on va en mettre un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, aux quatre coins. Voilà, là normalement il n'y a aucune chance qu'il nous loupe. Première chose, quand ils arrivent à l'aéroport, le petit panneau de Bibi dans la tête. Voilà. Toutes les nations ne sont pas les amis de Tropico, Presidente. Renforcez vos armées, Presidente. Nous avons des ennemis à droite, des insurgés à gauche, des démons... Des montagnes russes, oui, pourquoi pas. On manque peut-être de... comment... Loisirs, montagnes russes, elles sont où, ces petites montagnes russes? Elles sont là. Les montagnes russes. Oui, allez, hop, on récupère. Ça va être tout le monde content ici. Bon, là, il va nous falloir cette un peu de... est un rat de marée, président. Voilà, hein. On a gagné les élections. On sait pas pourquoi on avait perdu les élections avant. Ça ne sert à rien. On est bien parti. Pauvre. Et c'est une victoire décisive pour le président. Notre commandant en chef, indéboulonnable. On va mettre deux cages à lapin ici. Et on va refaire du coup les stations de métro, ce qui nous en manquait quelques-unes. Donc une station de métro ici, on va en mettre une ici. Ça coûte assez cher mais c'est pratique. Une ici c'est pour les emplois. Voilà, une ici. Pour mettre une ici, on va en mettre une ici. Du coup, là pareil. Là c'est bien. Là, c'est très bien aussi.
pourquoi pas une ici. À côté des monuments, ça fait plaisir. Il me semblait que j'avais... Non, c'était ici que j'avais détruit quelques trucs. Voilà, une ici. Une ici. Ça nous coûte un peu cher au final, il me semble, mais ça, nous... ça devrait nous permettre de comment... d'améliorer un peu tout, sur tous les pots. Quitte à mettre ça en service gratos, comme les bus. Ah, donc ça se construit. Et on peut changer les modes de fonctionnement ou pas? Relais électrique, non. Station de métro. Plus de lumière, réduit de 10 l'impact négatif sur la lutte contre la criminalité. Le bâtiment nécessite 2 mégawatts d'électricité supplémentaire. Au niveau du réseau, on est quand même bon. On va pouvoir se le permettre. C'est une bonne attaque, Presidente. Mais pour l'heure, l'attaque n'est pas tout à fait assez bonne. Ça reste assez haut, d'accord. Ça fait plaisir. Ça reste assez haut, du moins que ça redescend pas trop. Mais au final, je sais pas jouer en fait ce jeu. Je crois que c'est ce qui revient assez rapidement et assez. Je pense que je peux pas le dénier, c'est que j'ai un peu du mal avec ce jeu. Équilibre réseau, donc j'imagine que là il y a plus de charbon. Si, il y a du charbon. Pourquoi il y a plus d'électricité? Toi, tu n'as plus d'uranium. Ah, hey, ça pique un peu. L'uranium. Ce serait bien que tu produises un petit peu. Sinon, là, pour le coup, on va vraiment avoir des problèmes. Bon, ça se construit partout. C'est bien. Voilà, on a re de l'électricité, ça fait plaisir. Salut, Presidente. Vous savez que les choses ne tournent jamais comme prévu, pas vrai? Alors, nous avons un nouveau plan. Ne rien planifier. Non, ça, je vais pas le faire, parce qu'il me semble que ça coûte cher et que, de toute façon... Ouais. Si je devais refaire une partie, ce bâtiment-là, c'est le premier que je ne prendrais pas en compte, très clairement. Parce que ça... Ça fout la merde en fait. Que tous les enfants obtiennent automatiquement une éducation de niveau lycée. Après, pour les employés, pour qu'ils soient satisfaits de leur travail. Les vandalismes sont très exagérés. Les nouveaux styles architectural, disruptifs et destructifs. Eux, normalement, ils vont mourir assez rapidement. Voilà, ils ont été vaincus, ça fait plaisir. Et ça continue de baisser, ça continue de baisser fortement. C'est vraiment pas top. Navire touristique, donc il n'y a rien qui vient. Là, il n'y a plus d'électricité. Moins 196. Donc c'est encore celui-là qui a des problèmes. Non, il y a ce qu'il faut. Du coup, ça produit aussi. C'est bon. D'accord, vous savez, donc je comprends pas pourquoi il y avait moins d'électricité. De la même famille, Presidente. Et vous savez comment on peut s'écharper en famille. Construire un bâtiment de type manoir moderne. D'accord. Tu veux un manoir moderne, je vais te filer un manoir moderne. Je vois pas pourquoi ça va. La planète si les gens comprennent pas l'intérêt d'être écolo. Bâtiment en deltaplane, vol en deltaplane, oui, c'est vrai qu'on en avait aussi, ça fait partie des loisirs de luxe, vol en deltaplane, qu'on peut acheter et mettre un peu partout d'ailleurs. Non, pas ici. On va mettre ça en... On va caser ça au milieu, là.
Ça, les gens seront contents. Équilibre du réseau, moins 236. Pourquoi? J'imagine que c'est là. Non. Là, il y a ce qu'il faut. Alors, pourquoi on est en équilibre négatif? Notre argent travaille, négatif. Présidente. J'ai émis des options, ajouté des leviers et à... Réputation des capitalistes. Ça n'était pas comme ça dans le temps. Alors. Alors. Il me semble qu'on avait quelques trucs. Vous avez fait la terre en premier et tout... Toi, on s'en fout. Ça. Palais de justice, loi criminelle, loi des affaires, produit 50 par bureau ou par bureau offshore requis par bureau offshore chaque mois. Réglage de base, statistiques, amélioration, procédure officielle. Quand vous arrêtez des rebelles ou des criminels, leur taux d'approbation envers vous ne chute plus. On peut faire ça ? Attaque rebelle, il n'y a plus de criminels, d'accord. Les banques... Bon, le niveau de l'argent, on est bien. Maintenant, faudrait... Le problème, c'est que voilà. C'est toujours un problème de religieux et de capitaliste et de... Comment... Moi, je veux bien, mais comment on fait pour... Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Faudrait les virer les uns après les autres. Alors, les journaux, niveau supérieur. Ça, ça marchait bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De l'information, centre commercial. Mais le problème, c'est qu'on a déjà pas assez d'électricité. Moins 254. Ouais, c'est pas assez de toute façon. Donc il va nous falloir une autre façon de produire de l'électricité. Centrale solaire. D'autres centrales solaires, peut-être. Je pense que oui. Alors on va en mettre 3, ça devrait aider un petit peu. Ces cages à lapins là, il y a du monde, oui. On pourrait même mettre plus de cages à lapins de ce côté-là. Ah, une de plus. Augmenter ça. La recherche est déjà finie. Et bien, ça va vite. Restaurant gastronomique, hôpital, bureau. Oh, c'est bon. On a tout fait, oui. Ah oui, c'est violent en fait. Les voitures volantes des Tropico sont devenues beaucoup plus performantes. Désormais, elles volent pendant presque une minute. Bien joué, les gars. Continuez. Salut, Presidente. J'ai besoin d'aide. Station de en télévision. Fait, je suis plutôt du genre ça, on peut faire ça. Mais parfois, ça, on peut on faire. A besoin d'amis. Station de radio, station de télévision. C'est vrai qu'on n'avait pas de station de télévision jusqu'à présent. Ça va, pas nous, ça va nous permettre de pouvoir faire un peu de lavage de cerveau, ce qui est bien. On va en mettre une ici, je vais en mettre plusieurs. Parce qu'il ne faut pas déconner. Là, on a une station de radio, on va mettre une petite station de télévision. On va la mettre là. Je peux en mettre plus d'ailleurs. Station de télévision, là, il y a de la place. Juste derrière chez nous. Une petite ici au milieu, voilà. J'en fais quelques-unes. Une église qui brûle. Ça nous rappelle les mauvais souvenirs. Et les pompiers, ils sont pas là. D'accord. Bon, ça met un peu de temps à redevenir normal, mais à part les religieux qui nous les brisent. Quoi, il en faut plus d'églises, plus de... Vous avez déjà une cathédrale. Ah, une église, c'est quoi? C'est... On pourrait mettre des églises, d'ailleurs. Il y a une église ici. Il n'y a peut-être pas assez d'églises, voilà. Pourtant, on en a deux ici. Là, il n'y en a pas assez, sûrement. On va en remettre une ici. Pourquoi ne pas en mettre une ici aussi? Tant qu'à faire, là, on en a deux, mais a priori, il en faut plus que ça. Donc, mettons-en une ici.
En fait, ça doit être qu'il y a trop de... Pas assez d'église. Attends, là, tout le monde est là, comme ça. Place partagée. Chaque permet d'accueillir deux visiteurs, diminue la qualité des services. On va faire ça, on va faire espace pour les jambes pour toutes les églises. Cloche solennelle diminue la durée de visite. Voilà, il va falloir qu'on développe ça aussi hein, pour toutes les églises. Je sens que c'est un des problèmes avec cette satisfaction religieuse, c'est qu'on a justement pas assez d'églises sûrement. Espace quoi, un ranch. C'est des décombres. Reconstruire. Tiens, c'est bizarre. Il a peut-être brûlé. Il va nous falloir le dernier bureau. Dirigeant policier, non. On pourrait avoir plus de banques. Une église et une banque. Deux banques. On va mettre deux banques à côté. On sait que ça aide. On sait que ça donne des bonus. Là, ça... Construction rapide. Hop. Ça s'occupe. C'est occupé. C'est moins occupé. Bon, il y a de la place ici, mais a priori, c'est pas encore ouf. Indigent. Renforcez vos armées, présidente. J'ai déjà construit une. À droite, des insurgés à gauche. Non. Merci pour votre aide, présidente. N'oubliez pas. Plus de réputation des conservateurs, ce sera mieux. Bâtiment détruit, une église. On va reconstruire. Coûte cher, mais faut reconstruire, pas le choix. Recherche terminée, le stade. Alors le stade, que le meilleur gagne, que tout le monde gagne, augmente les frais de 25%, les salaires augmentent de 3%, de 3$, les coûts d'entretien augmentent de 10, chaque visiteur a 50% de chance d'endommager le bâtiment de 20 points à la suite d'une visite. C'est bizarre ça. Tribune VIP, on avait ça. Niveau des stats, revenu sur la durée, ouais, ça nous fait perdre de l'argent, mais ça va. C'est pas trop un problème. L'emploi au chômage, on en a beaucoup moins qui sont au chômage, donc ça va mieux déjà. Il y a de plus en plus d'emplois vacants, donc ça fait plaisir. Aurait-on résolu le problème d'emploi? Alors pourquoi ils sont pas contents? Croissance, déclin, d'accord, éducation. Chef de faction, 7 rival. Sem de Brice. Lieu de travail, hôpital, il est riche. Ça réduit l'approbation de sa famille. Bon, en plus, il est pas de chez nous, lui. Donne l'ordre de placer cette personne en détention dans un cachot ou une prison. Réduit l'approbation de la famille de la cible. Ce qui augmente les risques qu'il devienne rebelle. La famille d'un touriste emprisonné quitte Tropico en ne lui donnant qu'une note minimale. Le touriste emprisonné fera de même une fois libéré. Non, on va le buter. Notre rival. Voilà, on n'a plus de rival. On n'a plus de rival et on va s'arrêter là. Quoique si on a ça, on va juste regarder ça vite fait. Alors, on va réduire un peu la vitesse. Feuilleton de télé, ça donne quoi? Le bâtiment des réglages de base, canal 1, augmente légèrement le taux d'approbation des citoyens vivant dans les bâtiments électrifiés aux alentours de la station radio. À chaque fois qu'ils se reposent, c'est pas une station radio, c'est une station de télé. Télévision payante, l'ordière. Donc, télévision payante, on touche 3 pour chaque citoyen vivant dans les bâtiments électrifiés dans les environs de la télé. Réduit la liberté, ça aussi, une chance de 25% d'adopter des opinions politiques de la faction conservatrice. Actualité mondiale. Adopter les opinions politiques de la faction intellectuelle. Alors ça m'arrangerait parce que les... On va tous les mettre comme ça. Achevée aujourd'hui par la victoire des rebelles tropiciens qui ont battu les autorités locales. 2-0. La guérilla attaque. Qui vont bientôt mourir normalement. Alors on sait pas, normalement, oui, ils sont censés répondre quand même à...
Ouais, ils sont morts. Tant pis. Allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà un bon épisode. Ça continue de diminuer, mais c'est pas aussi bas qu'avant. L'argent en est bon. On a moins de problèmes d'emploi a priori. On va rechanger la constitution. Scrutin ouvert. On verra ça au prochain épisode. Allez. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ça, cette vidéo, et on se retrouve donc demain pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !